Bon, aujourd'hui changement de décor. Là, je me trouve en haut du Riffnell. Ça va être une petite piste là qui rejoint un peu le bike park de l'Alpe d'Huez. Et ensuite, on va arriver vers le DMC. On va commencer les recos des pistes logiques. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse découvrir. Donc là je vais partir pour mes runs de reco. Ça a l'air de bien rouler là, le grip a l'air pas trop mal. Donc on va voir ce qu'on peut donner. Bon, je vais pas faire le fou aujourd'hui, mais vous le verrez dans les prochains temps. J'essaierai de faire les pistes engagées que je faisais l'année dernière. Bon, sur ce, on se retrouve en haut. Le grip, il est monstrueux, il est trop bon. Waouh. Du coup, la première piste de la journée, Marmotland, je trouve que c'est l'enchaînement de virages les mieux de ce bike park, en tout cas de ce tronçon là. Allez, on va reprendre notre souffle et on repart. Allez, c'est reparti. Oh. Huge pavon. Grosse plaque sa mère. On voit à droite là la partie de la Rockenwood. Que je ferai plus tard. Peut-être aujourd'hui, on verra. Thank you.
Allez, c'est parti pour la deuxième descente. Autre road. Ça couine. Ça couine sec. Ah, le grip est vraiment bon, hein. Allez, on sort de cette mer de nuages. C'est parti pour la deuxième partie.
voilà, débrief de cette petite journée. Bah franchement c'est cool, les sensations reviennent petit à petit. Bon, il y a le temps en vrai de voir la progression, mais déjà je trouve que c'est pas trop mal. Le vélo a l'air d'y aller pas trop mal, donc bon, il reste plus qu'à. Je vous quitte sur ces images du DMC et de la montagne derrière. Il y a encore les sommets enneigés, c'est plutôt sympa. Tac. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez kiffé. Et puis bah, à la prochaine. Allez, ciao.